Bonjour à tous. Je bosse depuis un moment maintenant sur un nouveau jeu qui s'appelle Bunny. C'est un jeu de lapin plutôt sympa, je vais vous montrer. Et je viens de rajouter une feature que j'ai trouvée vraiment excellente et vraiment très simple à mettre en œuvre. En fait, la question, c'est comment faire pour avoir un jeu localisé dans plusieurs langues, anglais, français, allemand, enfin ce qu'on veut. Et à chaque fois, la réponse est pas si évidente que ça. C'est pas simple à faire. Et c'est pas pratique parce que quand on vous demandait à des potes de traduire, il faut noter sur une feuille, machin. Donc là, je viens d'implémenter un truc à la seconde, là, j'étais en train de bosser dessus. Et je me suis dit que ça allait peut-être être intéressant de vous montrer comment j'avais fait. J'ai pas complètement fini, donc je peux vous montrer le truc. Je trouve ça vraiment sympa. Donc, je vous montre rapidement le jeu sur lequel je bosse. Un effet de fou pour me mettre dans un coin. Voilà. Vous serez pas obligé de me regarder. Donc, voici le jeu Bunnies. Donc, c'est quoi comme jeu? C'est un petit jeu de lapin. Plutôt tranquille. Bah, je vous montre rapidement. Hop, je réinitialise depuis le début. Je suis en mode non censuré. Voilà. Donc au début, voilà, il y a des textes. Salut mon ami, veux-tu être un éleveur? Tu sais, c'est pas si facile. Et ce texte-là, je le veux. Il est en français là, mais je le veux en anglais pour les anglais, en allemand pour les allemands, et ainsi de suite. Donc il y a pas mal de textes. Il y a des boutons à traduire. Il y a pas mal de choses. Juste pour le contexte, hein, le jeu, c'est quoi? On a un petit lapin ici. Et en fait, on a un objectif, je veux un lapin rouge, parce que je suis un éleveur de lapins, mon objectif c'est de vendre des lapins. Voilà, donc mon lapin est là, rouge, donc je peux le vendre, succès, j'ai réussi ma mission, donc c'est le premier, c'est assez facile. Il y a une particularité, par exemple, si j'ai un lapin bleu et un lapin jaune, et que je les accouple, j'obtiens un petit bébé vert. Voilà, donc... Et je peux valider automatiquement ma mission et aller à la suite. Bon, de toute façon, l'objectif ici, c'est pas de vous présenter vraiment le jeu, mais plutôt vous montrer comment faire pour changer ces écrans. Donc là, ça va prendre 5 minutes, hein. Ce que j'ai fait, c'est que dans Google Drive, ici, j'ai créé un fichier que j'ai appelé Traduction Bunnies, dans lequel j'ai mis deux colonnes, anglais, français. Voilà. Et avec la clé ici, trois colonnes même. Anglais, français et la clé. Je peux en ajouter autant que je veux. Et ensuite, j'ai fait un truc plutôt cool. Dans Fichier, il y a un truc qui s'appelle Publier sur le web. Ça, c'est classe. Donc, qu'est-ce que ça fait? On choisit qu'est-ce qu'on veut publier. Donc, la feuille. Je veux des séparateurs de tabulation. Là, je choisis tabulation. Et automatiquement, ça génère un lien. Vous voyez ce lien-là? Automatiquement, ça génère un lien que je peux utiliser dans n'importe quelle appli et qui contient mon spreadsheet. Et il y a un bouton qui est cool qui est republié automatiquement après chaque modification. C'est-à-dire que si quelqu'un modifie, automatiquement, le lien contient les bonnes valeurs. Donc là, j'ai toutes les traductions. Si je vais dans mon code, ce qui se passe, c'est que je retrouve mon code ici. Donc c'est peut-être un peu petit, je vais grossir pour vous. Tac. Voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Donc quand on a la mission 0 au début et qu'on est en attente de la mission 1, ce que je fais, c'est que j'affiche, voilà. Salut mon ami, tu veux être un éleveur et tout ça. Donc je vais remplacer ça par local.get. Et là je vais mettre la clé de traduction. Donc la clé de traduction, ça peut être le mot anglais par exemple. On peut choisir la langue anglaise comme clé de traduction. Ça simplifie. Là je me suis dit que j'allais pas m'embêter. Hop. Tac. Donc je mets les deux premières clés de traduction. Ça peut être. Voilà. Et ces clés-là, on les retrouve dans mon fichier Excel, vous voyez ici en haut à gauche. First 1. Allez, sélectionné. Voilà. Et ça va être remplacé par Hello my friend en anglais et Salut mon ami en français. Donc, ma méthode locale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est assez simple. Elle contient un dictionnaire qui est à partir de la clé à la traduction. Et en fait, ce dictionnaire est généré à partir d'un fichier texte qui est dans les ressources. Voilà, dans les ressources, il y a un fichier qui s'appelle string underscore French pour français. Donc si je vais dans les si je vais voir dans les ressources, il y a un fichier qui s'appelle string French, voilà, qui ressemble à ça. Donc first 1, coucou, t'es vraiment trop fort, salut mon ami, enfin voilà, qui ressemble à ça. Et si je peux voir la version anglaise, c'est celle-là, first 1, hello my friend. Donc ces deux fichiers qui sont mis dans les ressources. Et comment est-ce qu'ils ont atterri dans ces ressources-là? Eh bien, c'est ça la magie du truc. C'est que j'ai fait un fichier qui s'appelle... Hop là, dans les scripts, il y a Update Traduction. Donc,
Voilà, update traduction object. Donc ce fichier-là, ce qu'il fait, là j'ai mis deux dictionnaires, j'aurais pu faire un tableau de dictionnaire, mais bon, c'est peut-être plus simple comme ça. Ce qu'il fait, c'est qu'il va aller parser l'URL qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est, j'ai fait un copier-coller de l'URL que m'a donné Google Drive. Je vais la lire directement. Et ensuite, je vais remplir mes deux fichiers. Donc là, write all file, write all text. Voilà, directement, je vais remplir directement dans mes fichiers les bonnes valeurs avec des égales, machin et tout. Donc ça marche comment? Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc si je vais dans mes traductions, ici, je vais remplacer salut mon ami. Je vais dire Unity 3D, c'est trop bien. Tac. Voilà, Unity 3D c'est trop bien, je ne m'en lasse pas. Donc je mets ça dans la traduction dans First 1. Et si je retourne dans Unity, il va falloir attendre 1 minute ou 2. Donc, je vais accélérer le temps. En attendant, je peux vous montrer un peu le jeu. Tac. Hop, 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 hop. Donc il y a plein de trucs. Le jeu il a plein d'effets météo. Ça c'est cool. Là je suis plutôt content du boulot. Donc on peut voir en fonction de l'heure qu'il est, donc à 8h du matin, midi, à 20h, il peut pleuvoir, il peut neiger, il peut y avoir du vent. On voit le vent qui souffle. Enfin voilà. C'est plutôt cool. Bon voilà, ça doit faire à peu près 1 minute. Donc maintenant, si je vais voir dans 01 update traduction, vous voyez, en fait j'ai mis directement ça dans l'éditeur. Donc ça me permet de lancer. Ah, il me dit, ah voilà, une clé modifiée. First 1 Unity, c'est trop bien. Hop. Et ça arrive automatiquement. Enfin, j'ai rien à faire, hein. Normalement, ça arrive automatiquement dans le fichier de ressources. Si je lance mon jeu. Hop, je play. Ah, Unity 3D, c'est trop bien. Je ne m'en lasse pas. Voilà. Donc, en quelques minutes, voilà, j'ai fait un système de traduction, mais vraiment vraiment super efficace dans le sens où ce fichier-là, vous pouvez l'envoyer à des amis, même à des joueurs qui pourraient vous aider pour traduire le jeu. Il suffit de verrouiller certaines cellules en lui donnant l'autorisation que de modifier des cellules ou une copie du fichier. Et ensuite, vous, tout ce que vous avez à faire sur votre projet, c'est aller là, hop, update traduction. Et c'est bon, c'est fait. Gros avantage, c'est que c'était déjà assez gratuit. Et en plus, ça met vraiment très peu de temps à se mettre en place. Donc, je peux vous filer mon code source si vous voulez. Vous le demandez dans les commentaires. Bon, voilà, c'est tout. J'espère que ce tuto vous aura montré quelque chose que vous trouvez cool aussi. Et que vous pourrez l'utiliser dans vos prochains jeux si vous le voulez. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi regarder un petit peu ce que va donner Bunnies bientôt. Parce qu'il n'est pas encore sorti, il est en bêta. Vous pouvez demander dans les commentaires si vous voulez participer à la bêta. Une bonne réussite pour vos prochains jeux. Ciao!